petite vidéo pour faire une petite variante d'une de mes vidéos que je vous avais déjà faite il y a quelques temps maintenant, où je vous montrais les bases de l'échauffement à la batterie. Un exercice vraiment sublimissime pour travailler ses poignets, travailler ses vitesses, travailler ses changements de débit, etc., etc. Donc regardez la petite bannière qui s'affiche juste sur votre écran. Au cas où vous n'ayez pas eu cette vidéo, je vous invite dans un premier temps à aller la visionner et ensuite revenir sur cette vidéo pour la suite des événements. Pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu encore mais qui veulent quand même travailler ce que je vais vous faire, en fait c'est pas compliqué du tout, c'est quasiment exactement la même chose. On va pas changer les débits, on va partir en double croche, on va partir en sextolet et on va partir ensuite en triple croche, on va redescendre en sextolet, redescendre en double croche, etc., etc. Jouer avec ce petit système pyramidal. Par contre, la subtilité, le petit truc qui change et qui va faire toute la différence et qui va compliquer encore un petit peu l'exercice, c'est cette fois-ci de faire en roulé. Puisque bien évidemment, dans cette précédente vidéo, je faisais cet exercice mais en frisé. Donc je vous rappelle ce que c'est le frisé pour les plus novices d'entre vous. C'est un coup de chaque main, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, ou gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, suivant que l'on soit droitier ou gaucher. Sauf que là, on va faire du roulé, soit droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, ou gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, etc., etc., qu'on soit encore une fois droitier ou gaucher. Donc, l'exercice en lui-même, on part en double croche pendant 2 ou 4 mesures. Là, pour les besoins de la vidéo, je vais vous faire 2 mesures. L'idéal, c'est 4 mesures. 4 mesures en double croche, 4 mesures en sextolet, 4 mesures en triple croche, 4 mesures en sextolet, 4 mesures en double croche, et si on est bien, on augmente la vitesse. D'accord? Donc si je vous le fais doucement, un débit intéressant. Donc on va commencer par un débit lent, pour vous compreniez le principe. On va mettre 45 battements minutes, ok? Donc en double croche, le roulé, hein, on l'a tous fait, 1, 2, 3, 4, deux coups de chaque main, pardon. Ok, donc là on enroule. Pour le sextolet, la petite subtilité qui n'est pas facile à mettre en place au départ, c'est que le deuxième et le quatrième temps, on va commencer par notre main gauche au niveau du roulé. Pourquoi? Vous allez comprendre. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, droite, gauche, gauche, droite, droite. Ok, ce qui veut dire que le deuxième temps, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On finit avec la main gauche, donc on reprend le troisième temps avec la main droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On finit le troisième temps avec la main droite. On reprend le quatrième temps avec la main gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous le fais au métronome pour que vous puissiez bien comprendre l'exercice. 1, and 2, and 3, and 4, and 1, and 2, and 3, and 4, and 1, and 2, and 3, and 4, and 1, and 2. Donc là, je l'ai fait à 45 au niveau du tempo, d'accord? En sextolet, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? La seule grosse difficulté, ça va être ça. De quand on compte 6 par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de ne pas faire 3 fois du gauche ou 3 fois du droit, de ne pas se mélanger les pinceaux. Donc prenez votre temps, au début, ne mettez même aucun métronome, entraînez-vous à faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Je vous invite vraiment à essayer de le faire de cette manière-là, et quand déjà vous allez être à l'aise comme ça, vous mettez un petit métronome à 30-35, gentiment, et petit à petit, on accélère, d'accord? 2 mesures, l'idéal, c'est 4 mesures. En ce qui concerne la triple croche, on l'avait vu, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, en frisé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Là, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va être en roulé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Toujours pareil, là par contre pour le coup, chaque temps, on va commencer avec la main droite. Logique, puisqu'on rajoute 2 frappes. Ok? 1, 2, 3,
5, c'est parti. 1, and 2, and 3, and 4, and 1, and 2, and 3, and 4, and 1, and 2, and 3, and 4, and 1, and 2, 2, ok, deux mesures de chaque. 3, and 4, and 1, and 2, and 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 3, and 4, and 1, and 2, and... Voilà l'idée, les amis. Donc vous faites un mélange. Par exemple, vous pouvez faire deux mesures en frisé. 1, 2, 3, etc. 4. 1, 2, 3, 4. Je vous invite même à le travailler comme ça. Deux mesures en frisé en double croche. Deux mesures enroulées en double croche également. On passe à deux mesures en frisé en sextolet, suivi de deux mesures enroulées en sextolet et de deux mesures en frisé en triple croche. On passe à deux mesures enroulées en triple croche et on redescend de la même manière. D'accord ? Dans un premier temps, bien sûr, travaillez votre sextolet enroulé. Travaillez votre triple croche enroulée. Quand vous allez déjà à l'aise avec ce système, procédez de la sorte et vous allez voir petit à petit la machine va se mettre en route. D'accord ? Je vous mets 90. Donc, deux mesures de double. Je vous fais tout enrouler hein, par contre. Hein. Donc, deux mesures en double, deux mesures en sextolet, deux mesures en triple. Je redescends deux mesures en sextolet et deux mesures en double croche. C'est parti. 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and 3. Voilà, donc bien évidemment, 90, hein, donc là, j'avais mis ce petit pad pour pas que ça fasse trop de bruit et que ça vous casse trop les oreilles. Bon, bien évidemment, il a pas supporté la frappe de titan. Bien évidemment. Et en gros, voilà. Si vous avez des questions, alors n'hésitez pas, ce type d'exercice, vous pouvez en manger matin, midi et soir à 4 heures quand vous voulez. Plus vous en ferez, mieux ce sera. On ne le répétera jamais assez. Je sais, je suis dans le même cas que vous, c'est pas forcément facile de le faire tous les jours, mais il faut s'efforcer de le faire. Vous en avez pour 5, 6 minutes quotidiennement. C'est rien. C'est rien. Il faut s'infliger ce type d'exercice au quotidien. Et je vous jure que ça paiera. Il n'y a pas de secret, ça paiera. Faites-moi confiance. D'accord ? Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, hein, comme je vous l'ai dit, je vous explique exactement plus ou moins la même chose, sauf que on est en frisé. Et ensuite, je crois même que j'en rajoute, je crois même que je fais du quintuplet et du triolet dans cette vidéo. Bon, enfin, allez la voir, voilà, comme je vous ai dit, je vous remets la petite bannière là, voilà. Donc, allez la voir, d'accord. Et ensuite, venez travailler roulé, d'accord. C'est important de savoir faire ce type d'exercice en frisé et en roulé. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, comme d'habitude, à partager la vidéo si vous l'avez trouvée sympa. Et puis, bah, lâchez pas vos baguettes, continuez de vous entraîner. Et je vous dis à très vite, les amis. Ciao, bye bye.